Okay, welcome to this Sukus Clinic. Welcome to Sukus Clinic guitar lesson. So in this lesson, we're gonna learn a song called Walo, composed by Kanda Bongoman. So this song is in the key of A. And we're gonna analyze it, how the rhythmic part is played, and how to combine it with the solo. First of all, we're gonna see the progression. And secondly, we see the scale, and we're gonna see at the end how to combine it with the lead guitar. So let's start by rhythmic part. Okay, this is A major. This is the scale. I'll start again. Yeah, play it slowly. Let me make it bigger so you can see how this is going. Yeah, I think it's much better to say like this. Okay, that's another position of A. Another scale. In the middle of guitar. Let's start again. I go to the highest part, another position of A. That's the beginning of a solo. The sequence is going A, E, D, E. So it's like 1 5 4 5. This is A. A, E, D, E, and back to A. You can add the pull off in the second string and the third string in A, just to embellish your sound, to add some flavor. In the lead part, we go to the highest part. This melody is done by playing the scale within A. French. Maintenant, je vais expliquer ça en français pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire là. Je suis dans la gamme de La. C'est ça la gamme de La. La majeur. Je vais recommencer. Doucement, doucement. Voilà, c'est ça. L'inverse, c'est toujours la gamme majeure. Là, c'est le milieu de la guitare.
Il y a aussi là, là-bas. Voici comment tu peux décomposer ça. Encore une fois. Ça, c'est la troisième position de là. Ça, c'est le début des solos. Et la marche va de là à mi, ré, mi, et puis là. Là, c'est simple. Vous pouvez aussi ajouter des mélodies dedans avec des pull-off pour embellir les sons. Ça, c'est le pull-off. Un autre pull-off. Pull-off. Mi, ré, mi, la. Pour la partie solo, vous pouvez aller avancer dans des cases aiguës et jouer de cette manière, faire des mélodies en jouant les notes de la gamme de là. Voilà ce qui concerne la leçon d'aujourd'hui.